Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer cette fois-ci à la toute dernière mission du Wokfu de World in Conflict. Et je vous laisse tout de suite avec la cinématique d'introduction. Et on se retrouve après. Résidence Thompson, Martha Thompson à l'appareil. Maman ? Michael, c'est toi ? Comment vas-tu ? Écoute, maman, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ma quatrième tentative et on peut être coupé à tout moment. Mais je pensais que les téléphones ne marchaient plus depuis le... Parfois si, maman. Écoute, tu dois absolument partir de Seattle. Mais Michael, comment veux-tu que je passe avec tous ces soldats étrangers dans les rues ? Il y a un couvre-feu après 17h et ils tirent sur quiconque ne le respecte pas. Tiens, l'autre jour, Madame Flanagan... Maman, tu dois partir. Je me fiche de savoir comment. Tu peux essayer par les égouts ou un truc... Je ne ferai pas une chose pareille, Michael. C'est chez moi, ici, et je ne partirai pas pour que ces cochons de Russes pillent autant qu'ils le veulent. Si ton père était en vie, il dirait la même chose. Mais maman, tu comprends pas, le président a donné l'ordre... Quoi ? Michael ? Je ne t'entends pas. Si nous échouons... Nom d'un chien, fiche le camp, maman! Non, Michael. Quoi que tu fasses, je sais que tu ne vas pas échouer. Je vais attendre si tu peux te le permettre et que... Maman! Maman! Merde. Nous sommes retournés dans la banlieue de Seattle au point de rassemblement pour l'assaut final. Le colonel, à nouveau à la tête du bataillon, reçut l'ordre de reprendre la ville à n'importe quel prix. Et nous savions tous ce qu'il en coûterait d'échouer. Et c'est ainsi, à l'aube d'un lundi, tandis qu'on entendait au loin le grondement de l'artillerie, que l'attaque fut lancée. Même avec les renforts qui venaient d'arriver, nous étions en sous-nombre. Mais ce qui nous manquait en hommes, nous le compensions par notre détermination. Il ne fallut pas longtemps pour ouvrir une brèche. Et le colonel nous conduisit droit jusqu'au centre de la ville, non loin de la base principale des Soviétiques. Une fois encore, nous étions loin derrière les lignes ennemies, sans ravitaillement, sans réserve et sans espoir de renfort. Quand le colonel nous appela pour un dernier briefing, le commandant Webb me prit à part pour me dire « Il pourrait nous avoir emmenés trop loin cette fois, Parker. Surtout, faites bien attention. » Centre-ville de Seattle, 15h, moins d'une heure avant le tir nucléaire. Aujourd'hui, un invité spécial au studio. L'honorable révérend Powell a une ou deux choses à vous dire concernant l'occupation soviétique. Mon révérend. I know that we're in a time of war. My brothers and my sisters, trouble don't last always. Over every mountain and through every valley, we shall prevail. To the faint and to those that have no might, your strength shall be increased. We must never, never, never give up. You got to hold on till every battle has been fought and every victory has been won. We're gonna shout hallelujah till the of a brand new day. You're gonna make it. You're gonna make it. We're gonna be victorious. Le bataillon de Wilkins va les attaquer par l'est. Pendant qu'on attaque DC. Mon colonel, ce plan me semble assez ambitieux. On a combien de temps ? Pas assez. Les Chinois ne sont pas loin. On n'a qu'un seul essai. Je comprends, mon colonel. Mais si nous essayons un mouvement tournant... Vous pensez que je n'ai pas étudié toutes les alternatives ? Je n'ai fait que ça ! C'est la seule solution ! Mais mon colonel... Ça suffit, commandant ! Vous avez été tous les deux informés du plan. J'attends que vous fassiez tout votre possible pour l'exécuter ! Mon colonel... Rompez !
Messieurs, nous devons repousser Ivan dans l'océan avant qu'il soit trop tard. Wilkins est bloqué par une résistance farouche, donc tout dépend de nous. Mon colonel, on est loin derrière les lignes ennemies. Nous devons faire attention ou nous serons totalement isolés. Nous n'avons plus le temps d'être prudents, Major. Si nous ne brisons pas l'occupation soviétique dans l'heure, nous devrons battre en retraite et Seattle sera perdu. Je comprends. Je dis seulement, faites attention, Parker. Le capitaine sait très bien quand être audacieux ou non, Major. Maintenant, poursuivez l'attaque, tous les deux. Parker, nous devons commencer par assurer la sécurité du secteur. Vous devez détruire ce poste de garde pendant que Webb va établir un périmètre défensif autour du restaurant. Eagle 6 terminé. Bon, vous appelez ça, ça, nous devrions ça. Peut-être attendre Wilkins. Si nous attirons trop l'attention sur nous, les Russes risquent de nous submerger avant qu'on s'en aperçoive. Nom d'un chien, commandant! Quelle partie du briefing vous n'avez pas comprise? Nous n'avons pas de temps à perdre. Pas le temps d'attendre Wilkins. Notre objectif est clair, et nous devons l'accomplir à tout prix. Compris? Oui, mon colonel. Faites attention, Parker. Ah, dernière mission. Donc dans cette mission, au char lourd. Après, vous pouvez vous amuser au char moyen. J'ai tenté l'idée des chars moyens. Je vais pas vous mentir. Je m'en suis pas sorti avec. Je sais pas pourquoi, mais char moyen sur cette mission là, ça passe pas. Comme je l'ai dit, c'est mieux de prévoir les chars moyens ou char lourd quand vous pouvez. Mais dans certaines missions, ça passe pas les chars moyens. Ici, l'ennemi a tellement de chars lourds en fait que vous serez préparé des morts. Autant de chars moyens vs autant de chars lourds, donc vous pouvez pas gagner. Que le but des chars moyens, c'est d'être en surnombre comparé à l'ennemi. Ce qui vous permet de submerger justement l'adversaire. Or, si vous n'arrivez pas à être en surnombre, vos chars moyens vont se trouver inefficaces comparé à leur armée. J'espère que j'ai bien expliqué ça, que vous n'êtes pas trop embrouillé. Donc voilà. Et nous avons peu de temps pour faire ça. Bon, je prends mon temps là pour accumuler des points de bombardement. Parce que je ne sais plus dans quelle maison du tout. Et oui, encore une fois, ça arrive à tout le monde d'avoir des trous de mémoire. Où se trouve l'infanterie anti-char. Il y en a dans certains bâtiments. Je vais faire encore une frappe après. Pour être certain d'avoir nettoyé toutes les infanteries. Ce qui veut dire que je vais devoir encore accumuler. Voilà. 12 points il me faut. Deuxième raid. Et je pense qu'une fois ce raid là effectué, j'aurai détruit toute l'infanterie d'ici. Je me serais peut-être planté de bâtiment. Que ça parle à tout le monde. Donc voilà. Alors là, c'est pour ça qu'il prend les chars lourds. La DCA vous sera très utile par la suite. Et véhicule de réparation, comme toujours, est indispensable quelle que soit la mission. Bon. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le bâtiment où se trouve. Voilà, nous avons éliminé cette défense. Ah, deuxième bâtiment, j'avais complètement oublié ce bâtiment. Ah, bien joué les gars, bien joué. Bon, je sais que c'est une IA, mais bien joué quand même. C'est des bonnes idées ça. Si vous voulez réutiliser en multijoueur, quel que soit le jeu, c'est... Voilà, vous mettez par exemple votre armée là, principale ici. Et vous essayez de tendre des embuscades à l'ennemi. Ça permet de diminuer en fait la résistance. Ça permet de faire des embuscades tout simplement. Que suffit que l'armée soit surprise. Moi je sais que c'est celui-là. Mais la première fois que j'ai fait la mission, j'ai été extrêmement surpris d'avoir ça. J'ai eu des chars extrêmement endommagés en sortant de cette confrontation. Hein. Parce que vous n'avez pas de reconnaissance en fait. Là vous devez y aller à l'aveugle. Voilà. Et voilà, un nouveau char. Maintenant, rendez-vous... Attendez, Parker, ramenez-vous au restaurant ASAP. Nous devons repousser cette attaque. Ah, ils nous attaquent par derrière. L'attaque des pop-off est en cours. Ils vont nous encercler si nous ne les repoussons pas. Occupez-vous-en, capitaine. Et pour ceux qui posent la question, le restaurant, c'est là où on se situait tout à l'heure. Donc c'est là où se trouve le capitaine. Donc bien évidemment, il est normal d'essayer de défendre coûte que coûte. Hein.
parce que la perte du restaurant dirait la perte du QG. Signifierait indirectement plutôt la perte du QG de bataillon. Voilà. Il y a plus français. Mais évidemment, là vous pouvez vous permettre complètement de réparer les chars alliés. Même faites-le, ça sera vraiment quelque chose d'utile. Ça évitera de vous retrouver en sous-nombre. Certes, ils en appellent toujours, vous allez. Excusez-moi, je viens de crier dans le micro, donc vous m'excusez. Ils appellent toujours des troupes aux alliés, mais avoir un allié avec des chars qui ont une meilleure cadence de tir, c'est toujours plus utile qu'avoir un allié avec des chars avec une faible cadence de tir. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un minimum. De plus, ça donne de l'expérience. Comme constaté, mes chars ont quasiment rien encaissé encore. Parce que les chars qui arrivent là sont souvent des chars légers ou moyens. Voilà, vous voyez, ouais, bah, ces unités bien réparées. Mon char de réparation a quasiment pris ses galons dessus. Donc, très bon point. Donc, voilà. Alors, pour certains... Ah, je vais en profiter aussi pour faire une petite annonce. Certains se sont déjà rendu compte que je commençais à migrer mes vidéos sur Dailymotion. Et ce n'est pas une erreur, je vous rassure. C'est tout à fait normal ce que je compte transférer ma chaîne YouTube sur Dailymotion. J'expliquerai ça, tout cela dans une autre vidéo. Hein, que j'ai pas envie de vous embêter à vous expliquer pourquoi je fais ça dans une vidéo de Wokfu. Hein. Mais bon, c'est pour vous. Comme ça, cette question m'évitera de me la poser. Hein. Que parfois on pose des vidéos qui n'ont aucun rapport avec le Wokfu, donc je préfère le dire tout de suite. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, voilà. Mais pour information, toutes les vidéos qui se retrouvent sur YouTube se retrouveront plus tard sur Dailymotion. Vous me laissez le temps de les mettre tous. Voilà, ta-ta-ta-ta. Il y a quand même beaucoup d'ennemis, il y avait oublié qu'il y en avait autant, mais bon. Ici Eagle 6, Ivan va en retraite. Rassemblez vos hommes et réorganisez-vous, on contre-attaque. Mon colonel, en allant au sud-ouest vers le port, on pourrait approcher la base principale par ce flanc et bloquer la retraite des soviétiques par la même occasion. Bien vu, Webb. Parker, votre compagnie prend la tête. Amenez-vous jusqu'au port. Eagle 6 terminé. Attention, Parker. Des hélicos ennemis approchent de votre position. J'ai déjà prévu le coup. Et voilà, et voilà. Toute notre compagnie de chars est disponible et prêt à l'assaut. Donc on y va, on avance. Donc voilà. Bon bah très bien, nous avons des... Voilà. C'est pour ça que j'ai pris justement des... un chaparral. Parce que la première fois, moi aussi, je vous promets, quand vous faites la première fois le jeu, pour ceux qui l'ont, vous ferez surprendre par les hélicos. Soit vous aurez prévu le coup d'avance, vous vous dites, ah, il y a une DCA, donc il va sûrement y avoir des hélicos. Soit vous n'avez pas prévu le coup comme moi, vous dites, oh, bah, il y aura des points qu'on aura. Et vous faites avoir. Bon, évidemment, vous allez perdre quelques chars, tout ça, bon. À la fin, vous rembourserez les chars, vous... ça sera bon. Mais c'est bien pensé quand même, ça vous oblige en fait, une différence en multijoueur, à devoir tout prévoir. À prévoir à des... En multijoueur, étant donné que chacun a son propre, par exemple, il y en a un qui va fournir l'infanterie, l'autre qui va fournir tout ce qui est soutien, c'est-à-dire tout ce qui est tir d'artillerie, des CA, un autre qui va fournir tout ce qui est réparation en même temps, l'autre que soutien aérien, des ICO. Et donc ça oblige vraiment le travail d'équipe, et c'est vraiment ça un gros point fort. Continuez par cœur, Ivan souffre. Les Russes ne sont pas fainéants. Cette ville est en ruine. C'est aussi notre faute, Major. L'Air Force fait des sorties en permanence depuis le début de l'invasion. Bah, être tactique, ça m'arrange qu'il y en ait plus. Hein. Putain, mais j'ai l'impression qu'on se fait bombarder, je sais pas pourquoi. Ces navires sont un problème, mon colonel. Ah bah ouais, j'ai pas tort. Il a raison, Parker.
Essayez de couler ces destroyers. Leurs canons et leurs missiles nous harcèleront tant que ce ne sera pas fait. Ah, ce qui vous est, ce qu'il vous faut, deux bombes à guidage laser par destroyer. C'est non discutable, ça. Youhou ! Un navire coulé ! En avant, bon bah un pan... Ça c'est très difficile alors qu'il en faut deux. Mais un on peut envoyer par le fond. Un bon. Il y avait une histoire avec deux missiles, j'ai raison. Je sais plus pourquoi. Voilà, c'est tout, on va dire que c'est ça. C'est moi qui ai fait la boulette, c'est moi qui me rappelle plus, donc c'est ma faute. Voilà. Donc on va déjà s'occuper de ça en priorité. Hein. C'est dommage, je suis en train de réfléchir, c'est ça qui manquerait au jeu, ça serait vraiment ça. Des navires en plus. Le deuxième navire soviétique est en train de couler. Bien joué, Parker. Ici Eagle 6, Parker, je suis content de voir qu'Ivan est parti dire bonjour à David Jones. Excellent travail. Ouais, il y a des chargons ralliés, vous les réparez. Hein. Ici Eagle 6, nous avons dégagé la majeure partie de la route menant au port. Tout le monde passe à l'attaque. Continuez Parker, vous savez ce qui est en jeu ici. Encore plus de points tactiques, oh, ça c'est bien. Union Center, le bâtiment là. S'il y aura un reproche à dire à l'IA, allié comme ennemi, c'est quand ils ont donné une vie tout ça, ils n'ont pas l'idée de réparer leur propre véhicule. Oh, d'ailleurs, j'en profite, vu qu'on a détruit le navire, il n'y a plus de bombardement derrière qui nous endommage le véhicule. Donc ça permet quand même de simplifier la mission. Je sais pas quoi faire en fait de mes points tactiques. Là. Parce que j'ai déjà tout dégommé ce qui était important à dégommer. Ici Eagle 6, la route du port est dégagée. Je répète, la route du port est dégagée. Je sais ce que je vais faire avec ça. Bien reçu, je fais pleuvoir les obus sur la zone. Et voilà, nous avons... Bien, sécurisez le port. Nous devons nous assurer qu'Ivan ne va pas nous tirer dans le dos quand nous avancerons. Il semble que les Chinois viennent de détruire nos défenses insulaires. Ils ont subi des pertes, mais n'ont pas renoncé. Sacrée défense, quand même. Et en plus, il y a des hélicos qui viennent les approvisionner. Oh là là. Et nous avons encore un char. Quand pourrez-vous demander l'annulation de l'attaque, mon colonel ? Quand nous aurons détruit la base soviétique principale, les huiles ne changeront pas d'avis sans ça. Tant qu'il y a une présence soviétique organisée à Seattle, les Chinois peuvent faire débarquer leurs troupes sans entrave. Mais si on se débarrassait des Russes, et qu'ils tentaient tout de même une invasion ? Aucune chance, Major. Ils ont des hommes, mais manquent d'équipement pour un assaut amphibie. Leur seule possibilité est d'utiliser le port de Seattle pour débarquer. Si on tient la ville, et qu'ils essaient, ils seront massacrés. Et ils le savent. Compris, mon colonel. Mais combien de temps nous reste-t-il ? Presque rien. Donc voilà, nouveau groupe 1. Ah, oh, les trous. Non. Ici Webb, les Russes utilisent des hélicoptères pour larguer des unités dans la zone de combat. Parker, occupez-vous d'eux. Utilisez la DCA dont vous disposez et éliminez ces hélicoptères. Eagle 6 terminé. C'est pour ça que j'ai appelé une DCA en fait. C'est tout pour ce moment-là. Et on va foutre un gros barrage d'artillerie déjà. Et vous envoyez votre DCA là-bas. Bon, votre véhicule de réparation. Continue son boulot. Et bah là, je viens de faire une connerie.
appeler de soutien comme ça, suprématie aérienne. Ah, c'est beaucoup plus efficace. Je viens d'avoir le commandant de la division. Il nous reste 30 minutes avant de devoir battre en retraite. 30 minutes! Une demi-heure avant que nous ne devions battre en retraite? Une demi-heure avant la détonation, capitaine. La détonation? Mais comment filer à temps? Impossible, James. On libère Seattle ou on crève ici. On ne battra pas en retraite. Mais je pensais... Enfin, c'est comme ça. Allons, Parker. On peut réussir. On doit réussir. Un hélico au tapis! En avant! Balancez les fumigènes! Ne perdez pas de force! Amenez ce chaparral en position! Ah, vous planquez là, moi ça devrait le faire. Excellent, il crame! Continuez, Parker! Ne perdez pas de temps! On est attaqué! Chaparral en mouvement pour la nouvelle position! Là, c'est vraiment pour la suite de la mission que je me fais chier à grand tout dégommer. Un autre coucou au tapis! On sera bientôt débarrassé, Parker! Il me fait tirer dans le dos, ah ça. Voilà. Bien joué, capitaine. Objectif suivant maintenant. Parker, détruisez ces Russes. Là, vu que l'ennemi est vraiment regroupé, ça vous permet d'utiliser maximalement. Voilà, pas besoin je pense de faire une image en plus, hein. Je crois que vous avez complètement compris l'utilité. Ensuite, votre décès à vous rapatrier, bien évidemment. Et en contrepartie, vous faites un immense barrage d'artillerie ici. L'ennemi arrivera ici en permanence, hein, donc continuez à laisser la majorité de vos chars là, et vous mettrez une unité là, là et là. Trois suffiront. Faut rapidement que... Voilà. Voilà. Ok, on s'en charge, une parution en cours sur notre véhicule. Chaparral, j'écoute. Ennemi à terre. Ici Iceman. Voilà, ce char là va avancer là. La DCA, je vais la mettre là. Et le véhicule réparation, je vais le mettre là. C'est purement arbitraire ce que je fais, je sais. Mais c'est le plus efficace que j'ai trouvé. Ouais, donc, au pire même, ah, ça c'est pour eux. Je vois que j'ai besoin de mon véhicule de réparation dessus. Vous amenez un autre char lourd là. Vous en laissez juste ce qu'il y a en bas, ça suffira. Et avec le char lourd, vous avancez. Ouais. Voilà, la DCA d'utilité que j'en ai. Bon, c'est pour ça que si vous pouvez continuer à faire manœuvrer votre DCA entre, c'est mieux. Bon, parfois, on oublie. Mais vaut sacrifier un peu de mobilité, hein, je vais pas mentir. Et capturer ça tranquillement plutôt que de pouvoir capturer sa face difficilement. Ah bon, vous m'avez compris. En difficile, je vous conseille plutôt d'envoyer deux chars lourds en haut, quand même. La difficulté supérieure, parce que c'est léger, un seul. Hein. Le port est à nous, et Ivan est isolé. Maintenant, on vise le cœur. Voilà. Rappelez tout aux chars lourds, tout ce que vous avez. Cette base sera bien défendue, mon colonel. Je n'en doute pas, commandant.
Parker, vous attaquez par le front de mer, pendant que vous tenez votre position et que vous couvrez ses arrières, compris? À vos ordres, je vous couvre, Parker. Au boulot. Allez, hop. Et Parker, Ivan fera protéger cette base par ses meilleures troupes. Prenez ça en compte pendant l'assaut. Bah, nous avons 7 charours. Voilà. Et je... Pourquoi? Là, vous comprenez mieux pourquoi ils vont bombarder ça. De Wilkins. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il traversait la banlieue. Il peut avoir choisi de reculer, cependant. Et nous resterons ici jusqu'à la fin? C'est ça, Major. Mais on n'en arrivera pas là. Nous ne serions pas là si je ne pensais pas que nous avions une chance. Je suis avec vous, mon colonel. Et vous auriez dû nous consulter avant. Vous avez raison, Major. Je m'en rends compte à présent. J'ai dit ce que j'avais à dire, mon colonel. Maintenant, reprenons cette foutue ville. Donc quoi? Webb, au rapport. Nous pouvons avancer tranquillement. Ici, Webb. Ils attaquent fort, mais on tient le choc. Je me sentirais quand même mieux si Parker et ses hommes étaient dans cette base. Vous avez entendu le commandant, Parker. Alors pourquoi si ces troupes? Là, on voit qu'il y a des unités. En fait, toutes ces unités sont embusquées en fait dans tout ce que j'ai exposé comme bâtiment précédemment. Je préfère 10 fois plus affronter de l'infanterie à découvert plutôt que dans les bâtiments. Il serait peut-être plus simple de les laisser dedans quand on sait où elles se trouvent. Vous êtes entré dans la fosse au lion, Parker. Éliminez ces Russes. Eagle 6 terminé. Donc j'en conviens que ça pourrait être plus simple. Mais pourtant, je préfère quand même toujours cette... Oh non. Bon, ça c'est le coup de pas de chance. Hein. Bon, évite... Voilà, c'est très utile de balancer un barrage d'artillerie lourde. C'est même préférable à un barrage d'avion. Certes, vous détruirez pas les blindés, mais les blindés, c'est pas vraiment votre véritable problème dans cette mission. Le véritable problème, ça sera l'infanterie qui peut se situer dedans. Et un barrage d'artillerie lourde vous permettra d'anéantir instantanément toute infanterie lourde, plutôt toute infanterie anti-char qui peut se situer dans la zone. Donc en gros, ça vous évite tous les ennuis de devoir essayer de débusquer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte qui est vraiment utile. Hein. Bon après, voilà, vous voyez quand même, au final, je peux le faire même sans. Hein. Mais bon. Et là, je vais en profiter. Bon, j'ai perdu la DCA, c'était pas prévu, mais c'est pas trop grave là, maintenant que j'ai perdu là. Étant donné que tout ce qui était aviation a été neutralisé au moment que... Tout ce qui était plutôt hélico a été neutralisé quand il devait être neutralisé. Ici Eagle 6. Le colonel Wilkins vient de me contacter. Nous avons infligé un coup décisif. La frappe nucléaire est annulée. Les unités soviétiques restantes sont en déroute. Et notre force aérienne détruit leur dernier navire dans le port. Rassemblez-vous sur ma position. Et nous allons organiser le nettoyage. Bien joué les gars. Eagle 6 terminé. Voilà. La DSA qui est morte, c'est pas grave. Franchement, ça me fait un char lourd de plus, j'en profite. Ici Ghost Rider, la cible est en vue. Virez à gauche et armez vos bombes. On a gagné et Seattle est sécurisé. Bon travail. Très bon travail. Webb, vous finissez le nettoyage. Il y en a toujours qui refusent de se rendre. Et je veux vos rapports de perte à tous les deux. Mon colonel. Trouvez un infirmier! Tenez bon, James. Ça va aller. Au fait, je dois vous remercier. Pourquoi, mon colonel? Pour avoir remis en cause mon jugement quand il fallait le faire. Vous traumatisez pas pour ça, colonel. Vous traumatisez pas. Alors, je veux un infirmier ici. Je crois que c'est prêt à bague dans l'épaule. Il contre-attaque, Parker. Rassemblez votre compagnie. On tiendra la position à la Space Needle.